Bonjour, alors dans cette vidéo, on va voir comment bâtir cette Power View-là, dans laquelle tous les champs sont reliés. Donc, par exemple, ici, on a une mosaïque. Quand on clique, okay, puis qu'on change, ben, les données qui sont ici vont changer. Quand on va ici, change les choses. Alors ici, on a nos cartes de joueurs, okay, qui vont s'afficher. Et quand on sélectionne un joueur, on voit sa contribution par rapport aux statistiques faites par l'équipe au complet. Donc l'objectif, c'est de refaire, okay, cette chose-là. Peut-être juste avant de partir, juste noter que on va prendre le plus de zones possible, okay, pour notre visualisation. On ne mettra pas de titre pour avoir le plus de place possible. Donc on va enlever le titre. Et le truc, pour que tous les trucs soient reliés, c'est de faire que notre mosaïque prenne l'entièreté de la page. Et à l'intérieur de ça, on va mettre nos autres visualisations. Donc, on part. On s'en va. On va faire insertion, Power View. Pour bâtir notre mosaïque, on va partir des équipes. Okay, donc, on va amener le logo de l'équipe et l'abréviation. On va convertir ça en mosaïque. Et comme j'avais dit, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre le plus de place possible. Mais pour pouvoir prendre le plus de place possible, il faudrait enlever le titre. Fait qu'on va mettre quelque chose en attendant. Et on va aller l'éliminer. Bon, alors là, je peux prendre toute la place que je veux. Donc, je prends plus de place sur la plage. OK. Maintenant, on va amener notre prochaine visualisation qui est avec les joueurs. Donc là, on va aller avec la table complète des statistiques. Donc, on va prendre le nom du joueur et sa photo. D'accord. Là, ça ici, on n'en a plus besoin. On va l'enlever. OK. Et on va convertir cette visualisation-là en carte résumée. OK. Et on va remplir avec des données. Donc, la première, on va aller chercher les statistiques. On va mettre AB. Après ça, on va mettre R. Après ça, RBI. 2B. 3B. HR. BB. SO. On prend toutes les statistiques qui nous intéressent pour un joueur. AVG. SLG. OPS. SB, SF et l'abréviation de l'équipe. OK. Donc ça, c'est notre première partie. On va ramener ça pour en voir juste une à la fois. OK.
Maintenant, ici, on va faire notre deuxième visualisation. Alors, dans ça, on va prendre le joueur et une des statistiques. Okay, donc, la statistique AB. Donc, on prend le joueur et la statistique. Non, c'est pas venu. Ça et ces statistiques. Okay. Et là, on va convertir ça en diagramme à barre. Là, comme on a une seule série, n'importe quelle ferait. Donc, je vais prendre celui-là. On va déplacer notre truc ici. L'agrandir. Okay. On va trier par la statistique. Okay. Puis là, une des choses qu'on va faire, c'est que on veut pas que les trucs bougent lorsqu'on va changer dans la mosaïque. Donc, dans disposition, on va aller dans axe et on va garder le même axe horizontal pour toutes les mosaïques. OK, donc ça fait cette partie-là. Maintenant, ici, on a deux autres visualisations à mettre. On va mettre un diagramme secteur ici. Donc, on va prendre statistique 2B, 3B, HR. OK, qu'on va mettre ici. Donc, rajoute, je convertis ça en diagramme en secteur. Je rajoute. Là, c'est un truc hein, de commencer par une, puis de faire un diagramme de secteur, puis après ça, on rajoute les autres. Donc 3B et HR, voilà. Une fois que c'est là, on agrandit notre graphique. On va le tasser un petit peu. Okay. Et finalement, ici, on va mettre notre dernière visualisation qui va être un histogramme avec trois statistiques. Donc, on prend AVG. SLG. Et OPS. Okay. Okay. Et là, on veut avoir pour ça un histogramme. Et pour cet histogramme-là, on va aller placer la légende dans le haut pour avoir le plus de place possible. Donc, dans disposition, on prend la légende, on va la faire mettre dans le haut. On va mettre la taille qui nous convient. Et on a terminé notre visualisation. Donc là, si on clique okay, sur les joueurs, on voit la carte du joueur, sa contribution à la statistique par rapport à celle de l'équipe, okay, par rapport aux différentes statistiques. Et si on change d'équipe, ben on voit okay, les joueurs de cette équipe-là avec les statistiques pour chacun de ces joueurs-là. Donc, c'était notre visualisation multiple où on voit que chaque morceau est lié aux autres. Et lorsqu'on clique sur un, on plonge puis on voit apparaître okay, les statistiques par rapport à l'ensemble du reste.